4. Frère Sommeo, bienvenue dans Télé Solidarité. Et c'est une grande joie pour nous que nous gagnions avec nous, docteur Jean-Robert Desrouleaux. Nous avons déjà gagné une présentation spéciale avec lui, nous avons présenté lui rapidement. C'est un monde qui est médecin depuis plus de 40 ans. Il était diplômé en Haïti et il vit aux États-Unis. Et depuis, il étudiait la neurologie et qu'on y est, c'est lui-même qui est en charge, responsable, département stroke à neurologie, l'hôpital Franklin. Ça veut dire qu'il était joué dans une bonne technique, il était étudié dans un bon programme pour que l'ITVIN gagne position ça. Et c'est la première fois que dans l'hôpital Franklin, que gagne un médecin noir qui occupait position ça. Donc, nous gagnons docteur Jean-Robert Desrouleaux avec nous et il peut parler nous et il peut avoir plusieurs programmes. Mais je vous dis, on a un programme pour que les renseigner nous sur quelques maladies qui sont très répandues, ni dans le milieu haïtien, ni dans le public en général. Donc, docteur Jean-Robert, bienvenue dans le programme ça. Et je crois que je dis, on parle parler de qui maladie on parle parler? On parle parler nous de stroke avec l'autre maladie sous-entendue qui est capable de causer stroke, tel que hypertension, diabète, et choléra, cholestérol. Merci beaucoup. Eh bien, parlez un petit peu de hypertension, parce que tout le monde dit qu'il y a une tension haute. Ça vous l'a dit. Bon, hypertension artérielle, li extrêmement, malheureusement, li extrêmement fréquent dans le milieu haïtien. Li fréquent tout en pile chez les Noirs en général. Et mon notion qui gagne dans le milieu haïtien, malade, pas malade haïtien, mais haïtien pensait que c'est pour si on a une hypertension, c'est pour sentir. C'est pour sentir un bagage qui n'a pas marché dans le corps. C'est le ça. Le malade la vie dans l'office là, on check tension, on voit tension très haut. On dit, monsieur, mais madame, tension très haut, fait attention. Non, 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 pas fait attention. Non, pas besoin d'attendre. Attention, même si on voit une rien, c'est pas assez. Parce que pour une fois, après, docteur. À chaque fois, un docteur, attention, gros, mais c'est bon, hein, on a fait attention. Pas grand rien qui mal, l'on fait hypertension. Ça qui mal, c'est l'on fait, lui, ou bien on refuse le traitement parce qu'on pense qu'on n'a pas gain, alors que, évidemment, en levant, chaque fois, un docteur, docteur a checké attention. Attention, gros, ça veut dire faire hypertension. Si on checké attention deux fois, suivi niveau, c'est que vous faites hypertension et vous supposez capable de commencer à chercher traitement. Il y a des gens qui font hypertension, il y a le cas où un docteur a pris attention en haut, il y a le cas où un deuxième docteur, ou bien il retourne quand même docteur avec une tension en haut, bon, il a décidé ou pas pour le docteur. Pour qu'il sache, parce qu'il n'a pas appelé pour le médicament, donc si dans la tête, si il n'a pas un docteur, il n'a pas fait hypertension. Mais qui ça provoque hypertension? Bon, il y a plusieurs causes à hypertension, mais plus grande proportion de monde qui fait hypertension ou pas venant en cause. C'est ça qui fait que l'hypertension est essentielle, parce que on n'en fait hypertension ou pas venant aucun problème rénal qui cause hypertension ou pas joindre aucun autre problème qui cause mon n'en fait hypertension. Mais le plus souvent, mon nom fait hypertension parce qu'il prend poids. Le mon nom prend poids et que poids diminue ou fait exercice diminue, mon nom a tendance pour y régulariser la tension. Donc là, on s'en dit, malade, bon, si vous ne faites pas attention, rendez mon service, marchez chaque jour pendant 30 minutes. Pas venir pour médicaments, vous commandez pour médicaments. Vous commandez tout dans le monde. Mais vous décidez de ne pas faire,
bon, au moins il faut imaginer. Alors, mais quel problème hypertension, ça a lié, c'est pression. La pression artérielle là, trop haut, lui cause problème dans le cerveau, lui cause problème dans le rein, lui cause problème dans le cœur. Une tension artérielle qui plus haut systolique, c'est-à-dire numéro plus haut à la tension, le docteur Palavo, il dit, ou font une tension 130 par 70, et premier chiffre, docteur Abaro, c'est ça où il est systolique blood pressure. Systolique blood pressure n'est pas supposé plus haut que 130. Diastolique, dans sa en bas, chiffre en bas, il n'est pas supposé plus haut que 75-80. Ça passe, c'est que vous avez un bon tuyau qui prend sang le cœur, qui mène sang dans tout le corps. La tension est trop haute, tension et tuyau calé tout côté dans le corps. Là, le plus souvent, il y a trois couches. Il y a une couche bleue qui protège les il y a une couche musculaire qui est en même temps, et il y a un tapis qui tapis ses muscles. Le monde n'a pas d'hypertension, tapis a une tendance pour prendre trop de pression, tapis est capable de commencer à déchirer là-dedans. Et c'est ça qui arrive dans le cerveau. Le cerveau, ou pas joue, le tension est trop haut, une saure est intima, c'est carpette là. Intima qu'on endommage. Le endommagé, ou gagne cellule dans le corps qui permet que sous blessé on côté ou les plaquettes, le blessé c'est eux même qui ferment sans faut pas saigner jusqu'à ce qu'on mourir. Plaquettes sont accumulées dans le couteau qui est lésion dans la carpette là, dans le cerveau. Donc, l'offrement a pour nous qui gagne hypertension depuis longtemps, ou on bande petit blood vaisseau qui est enfermé. Mon nan gen droit dou li pas senti rien hein? Li pas konn ki le fè yo mais sou fè des tests extrêmement sophistiqués pou mon nan des tests sur les cognitive tests des tests de pou gade connaissance pou nan ou ap gade pou wè que gen un bagay gen niveau pou nan ta fonctionne avant pa ta fonctionne bon bonne zone nan cerveau ki pa rentré nan fonction motrice ou bien dans sensation mais yo rentre dans l'autre fonction tel que yo rentre dans fonction visuelle yo rentre dans zone côté pour moun nan réfléchi côté pour moun nan capable faire calcul côté pour moun nan capable orienter li et le tiba l'organe tistrop dans zone ça yo li pas grand assez pour noter l'autre parler moun nan seulement mais au fur et à mesure il y a pas accumulé. Gardez cerveau, comme d'adou, son quantité immense de computer système qui connecté l'un à l'autre. Et le monde n'a fait si trop ça. C'est comme si, de temps en temps passé, nous déconnectons au système. Nous déconnectons au computer. Donc, c'est comme ça pour eux. Et puis, à la fin, il y a des gens qui font bon si trop, et puis leur arrivé dans l'âge 70, 65, 70. Il y a quand même des gens qui font Alzheimer. Il y a toute la mémoire là. Pas là, on n'a pas qu'à réfléchir, mais l'offre est maraboulie, ou est-ce que son monde qui a fait stroke depuis longtemps, donc mourir les maladies, ça vasculaire de maintien, parce que maintenant c'est stroke qui fait arriver dans le point de mais stroke là dû à hypertension. Ben, monsieur Koukako, une très bonne explication, et bien sûr que tout le monde apprécie. Mais qu'on y a qui s'en pour fait pour contrarier l'hypertension? Bon, maintenant pour les balades qui est seulement facile pour faire, c'est diminuer la quantité de sel. Quantité de sel? Oui. Parce que tout étude montre que l'heure que nous avons un taux de sel qui est haut que la première alimentation, nous avons tendance pour développer l'hypertension. Donc, réduit sel. Réduit sel. Ensuite, réduit la quantité mangée. Quantité mangée, donc. Et ensuite, ça qui est extrêmement important, tout c'est l'exercice. L'exercice. L'exercice est important pour plusieurs raisons.
Premièrement, il permet de brûler calories que vous prenez en manger. Il permet de brûler. Il diminue quantité et fat pour gagner en bas pour vous. Il diminue quantité de cholestérol qui circule dans son sang. Il permet de régulariser et sucre. Et ensuite, il permet de diminuer tension artérielle. Mais quand on regarde encore que vous faites, gagner études qui publiées dans le journal Science qui montrait que lorsqu'on fait exercice de manière continue pendant environ 30 minutes, cerveau a sécrété gros hormones. Ça, c'est secrétaire. Hormones de croissance. Hormone de croissance. Gros hormones. Gros à gros hormones. Donc, même le monde gagne mémoire qui a diminué, vos hormones permettent une connexion faite dans le cerveau. Parce que le cerveau a fonctionné, c'est comme si vous gagnez un bon tube. Chaque cellule vient avec tube pari. Mais cellule, ça vient avec tube. Pour fonctionner, il besoin de bonne autre cellule qui peut connecter avec lui. Mais connexion pas faite directement. Connexion faite, leur cellule, leur branche, pour la connecter avec l'autre là, bon espace nan, termine, entre branche qui va venir avec branche qui va recevoir, et espace ça, son chemical qui la donne. C'est une cellule, c'est ton chemical, et les chemical là, deux cellules, deux branches pas connectées, c'est un chemical qui nous mettent en. Donc, et gros formes permettent maintenant chemical ça dans la place. Donc, vous voyez que haïtien est bon pour faire exercice. Et il y a des gens vraiment qui dans le travail, il a fait exercice tout le temps, il y a des gens qui sont charpentiers, des gens qui sont en construction, des gens qui sont dehors, des gens qui sont balayés, toute qualité. Mais le monde qui chita devant le computer toute la journée, donc en pile le monde avec il est, le monde qui, par exemple, travaille à la banque ou bien la compagnie, côté ou dans le bureau tout le temps, ou manque faire exercice physique. Oui. Et mon saio, nous toujours recommandé au lunchtime, venir avec yon walking sneakers dans le travail. Dans le lunchtime, au lieu de chita, yon mange bonne manger pour ton salade ou bien léger, et puis mettez tennis à l'empire au marché pendant 30 minutes. Parce que trois quarts de monde qui prend lunch entre 45 minutes et 1 minute. Donc si mon prend 30 minutes pour marcher, il prend 15 minutes pour manger, et puis on retourne chez le lit. Donc mon ça, il est capable de faire exercice. Et l'autre est complète comme gain, l'homme quand je suis malade, c'est pour faire exercice. En hiver, malade là, je ne peux pas marcher dehors. Parce que fait frais. On comprend ça, je suis d'accord avec vous. Le conseil m'a dit, si vous avez une machine, si vous avez une machine, vous dites, oui, je dis, conduis la machine dans le mall, quittez le crédit carte ou la caillou, mettez un tennis dans le machine dans le mall, personne ne va demander ce qu'on fait là. Donc, toujours gagner une façon pour faire exercice. Donc, marcher, c'est un bon marcher, exercice. Marcher, c'est un meilleur exercice que vous pouvez faire. Il n'y a pas besoin de courir. Il n'y a pas besoin de courir. Juste ça. Marcher pour pendant. Plus effectif pour exercice, pour non, athlète, non, là, comme ça. À faire barre fixe, là, comme ça. Heureusement. Bon, il n'y a pas même arrêté le troisième étage. Donc, toute la journée, m'a monté descendre deux escaliers. Oui, ça, c'est un bon exercice. Quelqu'un qui dit que c'est très bon, c'est un bon exercice. Il y a des fois, je me fais mal. Mais tout le temps, quand je monte l'escalier, je monte descendre peut-être 15, 20 fois voilà, chaque même journée. Okay. C'est une forme d'exercice. On m'a manqué pour qu'il prenne un petit monde toute la journée. Oui, son exercice. Exercice. Non seulement courir, mais même lever petit monde. Le petit monde. On a un aigle, ou bien les petits monde qui a passé balai la carrière. Oui. Tout ça, ou bien peinturer, tout oui, ça, c'est oui, exercice. Ça, c'est exercice. Tout ça qui met le corps en mouvement. Oui, c'est ça. Tandis que l'on était chita toute la journée, que vous venez accumuler, ben, oui. Ça fait un petit stroke. Est-ce que le café, bon, augmenter ou bien café, ça et café,
Bon, et café sous stimulant, mais qui pas vraiment toxique, qui pas vraiment nocif. Et moi, toujours recommander malade de boire café. Premièrement, si mon avons une tendance pour l'étendue, On vit dormi. pour l'envie de dormir, café à privé, ça c'est bon. Deuxièmement, le monde n'a pas avancé en âge, et toujours une chance pour mon c'est possible que mon développé Parkinson disease. Et il y a une étude qui était faite en le dans le système Hawaï, et ils prennent deux groupes, un groupe qui prend café, un groupe qui ne prend pas café, et ont réalisé que le café a son protecteur de savourer les bésorgues qu'il y a dans le cerveau. Dans le cerveau, dans partie en bas, dans la partie inférieure du cerveau, où on a une bonne station de chaque côté. Station ça, le fonction, le voulait faire un mouvement. Comme d'habitude, mon vie prend, mon vie, ouais, mouvement, ça que je fais là. Pour me faire, stimulation sortie dans la partie gauche du cerveau, ouais, c'est la droite pour me faire. Mais il n'est pas allé directement dans la partie qui est occupée de fonction motrice qui vous fait ça. Il est passé avant ça dans une bonne station dans les organes. Et le monde, par exemple, fait Parkinson's disease, c'est une partie dans le ganglion basal là, qui n'est pas capable de sécréter une substance qui est le dopamine. Café à protéger, café à ralentir le processus, ça permet tout que nous n'avons pas développé Parkinson. Donc, les Parkinson divines, c'est vous qui tremblez, c'est ça? Parkinson disease, c'est monde qui ont tendance, le ils n'ont pas fait rien, le chita, et pouvait mais ils ont tremblé. Le monde a marché, les stiff, mon anjo, il senti pied lourd quand tout son plongé la nuit. Et puis, on a commencé à changer le visage. On a parlé, pas expression dans le visage. Tellement. Donc, mais le café a protégé, protéger ses voix contre la maladie. Ça. Et boisson alcoolique. Bon, boisson alcoolisée et gagner plus. Enfin, comme nous connaissons plusieurs types de boisson alcoolisée. Et. Je vous considère l'excès en tout. Si mon prend, si mon prend du vin rouge par exemple, du vin rouge là, il y a une substance là-dedans qui protège le cerveau, qui protège l'artère, il y aurait le résveratrol. Ça que fait découvrir, c'est parce que National Institute of Health t'es posé tête sur une question, ça fait plusieurs années. Pour qui ça européen qui mangeait autant de graisse, peut-être même plus, parce que moi j'ai pris le foie gras, pour qui ça européen qui mangeait autant de sucre, mais il y a une tendance purée slim. Ensuite, il y a un très très bas niveau de diabète, d'hypertension. Donc, je pose des questions ça et je regarde les aliments que les Américains ont mangés, alors que les Américains ont un taux d'obésité qui est extrêmement haut, le diabète sont épidémiques, l'hypertension sont épidémiques. Donc, je me dis, qui ça que les Européens ont consommé qui protège? Est-ce que c'est le climat? Est-ce que c'est l'environnement? Et je finis par voir que c'est surtout vin rouge que les Français ont. Je prends vin rouge là, analyser lui, je vois que vin rouge là, une substance là dans lui, il y aurait le résveratrol. Resveratrol là, li protéger cellule. Dans chaque cellule de par lui-même, li gon ti factorien dan li. Yo rele le mitochondrie, c'est là que cellule la fabrique toute protéine pour fabriquer. Et bien resveratrol là protéger mitochondrie qui dans cellule. Resveratrol là c'est bon bagage qu'on capable prendre. Enfin, li nan vin rouge. Donc si moun nan capable tolérer on glace, on glace, on verre du vin, on verre du vin chaque jour, et c'est bien s'il tolérer. S'il pas qu'à tolérer, il commence à vendre les alcool pour lui, dans pharmacie. Non, il va venir dans la pharmacie, il va venir dans health food store.
ou capable dans Health Food Store pour acheter. Et il est venu en plusieurs dosages. Et d'un côté, je passe moi la 24.5, d'un côté la 50, d'un côté la 100 mg. Pas de aucune étude qui montrait que les toxiques, donc si vous avez 100 mg, vous voulez prendre les gaspillages. Qui j'en ai l'air comme RESA. Resveratrol. R-E-S-V-E-R-A-T-R-O-L. Resveratrol. C'est un mot compliqué. Resveratrol. Si vous répétez 10 fois, ma songeuse. Bon, je pense que toute information sera extrêmement importante. Donc, niveau de pression artérielle, il y a tendance très élevée parmi les Haïtiens. Et donc, c'est pour les Haïtiens, faire attention à ça. Il y a un bon remède, c'est tout simplement exercice, respirer bien. Je suppose que vous êtes bleu tout, c'est un bon remède. Oui, un peu de bleu tout. Et hypertension, tout y attaquer, rien malade. L'attaquer rein, l'attaquer cœur et l'attaquer cerveau. Oui. C'est trois bagailles qui sont extrêmement importants pour la vie humaine. Nous croyons que c'est des informations extrêmement précieuses et nous attendons avec un peu d'impatience pour que le docteur Desrouleaux vienne parler nous encore sur d'autres maladies très répandues, tant que le diabète, et puis pour développer toujours, ça va être les strokes, puisque et a high blood pressure conduit la stroke et les cas conduit tout même la Parkinson disease. Oui, une forme de Parkinson qui due à nous et à stroke parce que stroke là capable poser plusieurs six strokes dans zone cotée les basal ganglia. Donc lorsque le cause stroke dans basal ganglia, connexion tout faite de constatation à l'autre, connexion parfaite. Donc ça, il doit poser que nous n'en parlons devant quand c'est une maladie de Parkinson que le fait. Mais l'on examine, il y a bon autre bagage, il y a Parkinsonisme. Parkinsonisme, non, c'est comme si nous n'en cliniquement parlons quand c'est une maladie de Parkinson, mais au fait, c'est parce que connexion est parfaite entre plusieurs stations. Donc, nous ne sommes pas capables de traiter le même genre de traiter Parkinson disease, maladie Parkinson, parce que dans la maladie de Parkinson, le cerveau a suspendu former dopamine. Si vous considérez que le pourcentage de dopamine qui était dans le cerveau, le monde cliniquement présenté avec la maladie, c'est environ 10% de traiter. Mais nous ne sommes capables de traiter ou remplacer la dopamine que le cerveau n'est pas capable de faire. Mais les gens qui ont une maladie, plusieurs strokes faites et que la connexion n'est pas faite dans le cerveau, parce que la dopamine dans l'autre forme, même partie dans le cerveau, il faut que la délivre dans l'autre partie. Et les gagnants, le conducteur pour la laisser ça dans le cerveau, et les récepteurs. Récepteurs, c'est le groupe cellule qui recevoir la dopamine et qui est capable d'utiliser la dopamine pour fonction par eux. Mais, moun ki gen maladie Parkinson, nan, récepteur yo la, et le que récepteur yo pa jwenn ase dopamine, yo multiplié, pour n'importe ti kras dopamine ki gen, yo prenni pour utiliser. Moun ki gen, ki pa gen Parkinson disease, mais ki pa gen tant qu'on gen, nan, il continue former dopamine. Mais dopamine n'a pas allé côté de l'hôpital, parce que gen ti strok ki fait, comme d'abord, a oué a coupé. Sou ba moun sa dopamine alors que la continue former dopamine moun a commencé à halluciner. La bzou meti weti moun yo la moun ban rada marche dans chambre c'est parce que moun n'a pas fait maladie Parkinson. Il fait une maladie qui empêchait que dopamine n'a délivré côté pour délivrer à nous wè le n'attendez docteur Desrouleaux qui j'en sont un professionnel qui est extrêmement bien informé et qui vraiment va ouvrir les yeux nous sur un pile phénomène que parfois la culture haïtienne nous interprète comme ça c'est le roi là comme ça alors que c'est des phénomènes qui sont scientifiquement explicables. Donc nous apprécions énormément et enseignement ça
que le docteur a déroulé aujourd'hui hein, et que le pral ban nous de façon assez régulière parce que nous voulons que le public nous hein, très informé pour que le public hein, prenne soin de tête au pied bien de façon pour que nous vivions plus longtemps et puis surtout que nous vivions plus riche puisque nous pas bloquer certaines zones dans le cerveau. Donc, merci infiniment et nous attendons, docteur Dégoulot, merci, merci au nom de tout le public qui a écouté nous. Et c'est pour mon Dieu, bénis-nous tous. Merci.